Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les deux livres que j'ai achetés dernièrement sur Amazon, que vous avez vu dans mon dernier haul. Je vous remettrai la vidéo quelque part ici, comme d'habitude, à un moment de la vidéo. Donc ce sont les livres Disney de la collection Les Grands Carrés, de la collection Hachette Héros. Donc il y a le Love Story et il y a Jouets et Poupées. Voilà. Alors je vais d'abord vous montrer le Love Story. Voilà Fifi qui passe comme d'habitude. Il faut que Fifi me laisse passer. Fifi, s'il te plaît. Alors le Love Story a été illustré par Tracy de Souza. Alors, on nous dit « L'amour et l'amitié sont au cœur de nombreux films d'animation Disney et Pixar, entre humains et entre animaux. Les love stories rythment les plus belles histoires, qui sont filiales, fraternelles ou au sein d'un couple. L'amour est partout, il transcende les films et pousse les personnages à se dépasser. Blanche-Neige et le Prince Charmant, Mickey et Minnie, Lady et Clochard, Anne et Christophe, Mulan et Shang, retrouvez les plus belles histoires d'amour à travers 45 dessins inédits à mettre en couleur. Bon coloriage. Voilà. Alors, on va jouer un jeu. Parce que vous savez que je ne sais pas tous les noms des dessins animés de Disney. Donc, je vais vous dire ce que moi je connais. Et puis, vous me direz ce que je n'ai pas su reconnaître. Et en espérant que vous les connaissez. Alors, le premier, bon, moi ça me ressemble à quoi ça? Peut-être du Blanche-Neige. Peut-être une Blanche-Neige avec son prince charmant, je ne sais pas. Mais bon, Blanche-Neige, non, elle a les cheveux plus courts normalement, voilà. Ah bah encore une princesse avec son prince, c'est peut-être la même. Voilà, avec des jolies fleurs. Ah ça c'est la Belle et la Bête, voilà. Ça je connais, avec la rose. Bah là je connais pas, voilà. Donc, j'espère que vous allez connaître pour m'aider. Ah, Olaf. Et là, c'est peut-être la Reine des Neiges. Ou sa sœur. Je ne connais pas le nom de sa sœur. Je sais qu'elle a une sœur, mais je ne connais pas son nom. Oui, je sais que c'est Olaf. Alors là, je ne sais pas. C'est des robots. Là, ben c'est le livre de la jungle. Comment il s'appelle? Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est le livre de la jungle. Ça, c'est quoi? Ça me dit quelque chose avec le roi. Non, c'est pas dans Cendrillon, ça. C'est... Non, je ne sais plus non plus. Je suis nulle, mais alors nulle en dessin animé. Oh là là. Alors ça, je... Pareil, je connais, j'ai déjà vu, mais je ne sais pas les noms. Je suis nulle de chez nulle. Bon, là, je ne connais pas du tout. J'ai jamais vu. Ah ben, revoilà le roi. Avec sa reine, certainement. Ah ben, là, voilà. Ça doit être Cendrillon. Avec le prince, avant minuit.
Oui, il y a les citrouilles. Donc c'est Cendrillon. Ah bah là, Mickey et Minnie, hein. Quand même. Hein. Ça, je ne sais pas. Ah, ça, c'est Aladdin. Ah, je l'ai dit l'autre jour, lui. J'ai oublié. J'ai dit son nom. Il est bleu. J'ai oublié son nom. Elle, par contre, je ne sais pas du tout. Ça, je ne sais pas. Alors, on l'a pas du tout. Belle et le clochard. Lady. Ah, j'ai sur le bout de la langue. Oh là là, là là. Mince, j'ai sur le bout de la langue. Ah zut, ça veut pas sortir. Il est habillé en vert. Il y a la petite fée. Il y a... Oh bah. J'arrive plus. Je l'ai sur le bout de la langue. Je sais qui c'est lui. Ah bah mince alors, c'est fort ça. Bon là, ça doit être Donald et Daisy. Là, je ne sais pas. Ça, c'est un truc japonais, je crois. Ah, Ratatouille. Ça, c'est Ratatouille. Ça, c'est... Ah, je connais. Enfin, je connais. J'ai pas regardé le dessin animé, mais je connais. Elle, je connais. Mais je ne saurais pas dire le nom. Là, elle, avec ses longs cheveux. Ses très longs cheveux. Vous savez que ce soir il y a une émission à la télé sur l'Alzheimer. Je m'inquiète des fois de mon cas. mince, c'est pas pour me moquer, hein, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je m'inquiète. Je sais plus. Ça, ça doit être dans. Non, c'est pas dans Cendrillon, ça. Il n'y a pas de grenouille en Cendrillon. Je sais plus. Ah, Blanche-Neige, voilà. Là, c'est sûr. Là, je ne sais pas. Celui-là, je l'ai déjà vu, hein, mais je ne sais pas dire le nom du dessin animé. Là, je l'ai dit l'autre jour, celui-là, je connais aussi, mais enfin, non, je vous assure, c'est grave ma tête. Bon, là, je ne connais pas du tout. Je ne cherche pas, je ne connais pas. Ça, est-ce que ce serait pas dans la Reine des Neiges? Elle a une tête qui lui ressemble, mais bon, ça c'est les grenouilles. ça, ce serait bien dans le Roi Lion. Ça, je ne connais pas. Non. Voilà. Pompon. Avec sa petite copine dans Bambi. Là, je ne connais pas. Les 101 Dalmatiens. Bien sûr. Papa, maman et les bébés. Ah ben, la famille Bambi. Voilà.
Ça, c'est la maman. Il y a Bambi, puis la petite copine de Bambi. Robin des Bois. Ça, je ne sais pas. Là, c'est des grenouilles. Hein. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas du tout. C'est des lapins, mais je ne sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les saints dalmatiens. La princesse et la grenouille. Alors, ici, ils nous disent... Alors, l'amour et l'amitié sont... Simbanala, Tiana et Naven, Hercule et Megara. Voilà, c'est peut-être Hercule. Réponse. Voilà, c'est avec les très longs cheveux. C'est ça, hein, je crois. C'est Réponse. Mulan et Shang. Voilà, ça, je me rappelle maintenant. D'accord, voilà. Donc, ça, c'était pour le Love Story. Maintenant, je vous montre... pour les jouets et poupées, donc toujours pareil, les grands carrés de Disney dans la collection Hachette Hero. Donc 45 coloriages toujours. Là, les illustrations sont de William Ball. Alors, l'introduction, ils ont bercé nos nuits, consolé nos chagrins, nous ont protégé des monstres qui se cachaient sous nos lits. Parfois, nous pouvions à peine nous en détacher, tant nous étions inséparables. Nos jouets, nos peluches, nos doudous restent le symbole de notre enfance, dont nous nous remémorons avec nostalgie, redécouvrons-les à travers ces 45 dessins à mettre en couleur. Voilà. Bon, j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais il y a toujours la petite page d'intro que l'on peut aussi colorier, hein, si on veut. Bon. Alors, vous allez m'aider, comme tout à l'heure. Le premier, déjà, je ne connais pas. Il était dans le premier livre que j'ai acheté, mais je n'ai pas fait attention au titre. Alors, ici, dans celui-ci, on a des doubles pages par moment. Donc, ça, c'est Alice au Pays des Merveilles. Donc, on a une double page avec la méchante reine, le lapin, le chat fou... les soldats, et Alice bien sûr, le roi. Ici, je sais pas. Alors Pluto, Mickey, ce serait pas Mini Hercule ça? Là, est-ce que ce serait pas le dans Belle et le clochard? Il ressemble un peu à Belle. Là, je ne connais pas. Là non plus. Alors là, encore moins. Hein. Mickey, plutôt Mini encore, avec leurs jouets. Enfin, c'est bébé Mini, bébé Mickey. Un petit dalmatien. Dessin dalmatien. Ah, les Aristochats. Avec Duchesse. Et les trois chatons. Alors, les trois chatons, je ne sais plus comment ils s'appelaient exactement. Il y avait. Oh, je sais plus, je cherche pas, je sais plus les noms des chatons. Ça me reviendra. Pinocchio. Bon, une otarie. Ou un phoque. Là, je ne sais pas. Tout à l'heure, on a eu un bébé Belle, et là, ce serait bien un bébé le clochard.
Ah, là, je ne sais pas du tout. Là non plus. Bon, un bébé. Là, ça joue au foot. Je ne sais pas quoi. Ah, Donald et Dingo. Pinocchio. Ah, ça, c'est Toy Story. Je ne sais pas. Encore un Pinocchio. Ah ben voilà, la rousse encore. Ça y est, j'ai reperdu son nom. Réponse, c'est ça, hein, je crois. Là, c'est pas, ça doit être les jouets qu'il y a dans Toy Story, je crois. Là, c'est dans... Ah. Pourtant, je connais ça. Je ne connais que ça. Comment il s'appelle? Bon, je cherche pas ça. Ça fait fumer mon cerveau. Je connais. Bon, là, je connais pas du tout. Là, le voilà. C'est lui que je cherchais. Oh, je vous le dis, ça devient grave hein, chez moi. Mmh. Bon. Encore un Toy Story. Je ne sais pas. Peut-être encore du Toy Story, ça, ou je sais pas. Là, Dumbo. Là, il y a un bossu. Bossu Notre-Dame. Lui, pareil, il est bleu, je crois. Avec des taches jaunes. Je suis pas sûre. Pareil, lui, il doit être dans Toy... Non, il est pas dans Toy Story. Si, Toy Story, je crois. Ça, je ne sais pas du tout. Ça non plus. Ah bah là, c'est Toy Story, ça, c'est sûr. Vous voyez, je suis pas complètement perdue, hein. Je suis pas irrécupérable. Il y a des choses que je... Ça, par contre, je ne sais pas. Mickey, qui s'éclate. Ça me fait penser à la Reine des Neiges, là. Mais lui, je vois pas ce qu'il fait là. Mais bon. Et voilà. Et donc, et là, j'ai deux pages d'étoiles comme ça. Est-ce qu'ils mettent des noms? Les Aristochats, les Sorins Dalmatiens. Oui, ni l'ourson. Voilà. Et ce qu'ils nous mettent derrière. Non, ils nous mettent pas de nom. Donc, voilà. Les deux livres que je voulais vous présenter. Donc, j'espère qu'ils vous plaisent. Peut-être que vous allez craquer dessus comme moi. Sur, donc, je vous mets les liens d'Amazon pour vous les retrouver. Donc, maintenant, j'en ai trois. Voilà. Il y a encore d'autres livres dans cette collection-là. Bon, je les reprendrai plus tard. Et s'ils me plaisent, hein, parce que je ne vais pas les prendre non plus s'ils ne me plaisent pas, ça ne sert à rien. Mais bon, je vous les présenterai au fur et à mesure que je les achèterai. Et là, je referai les... je vais finir un dessin là que j'ai commencé.
Et je commencerai un colo. Je verrai dans lequel des trois je commencerai un colo. Peut-être dans le premier que j'avais pris. On verra ça. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Là, je vous dis, j'ai pu faire ma vidéo là, du coup, avec mon nouveau bras, mon bras pliant que je vous avais présenté, que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo, puisque j'avais filmé la vidéo du bras avant, mais je vous mets en ligne la vidéo des livres avant. Bon, j'ai pas cherché, hein, mais voilà, je vois que pour filmer face bureau, ça va nickel. Voilà. Mais vous allez voir la vidéo du bras que j'ai monté après. Juste après cette vidéo-là. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.